Song, vous dire qu'elle est aussi bien que ce qu'elle était quelques années en arrière, ça paraît difficile, bien qu'en prenant de l'âge, je me suis rendu compte qu'on a toujours tendance à dire que c'était mieux avant. Je ne vais pas dire que c'est catastrophique, mais en effet, on voit des signes. La population de truites n'est plus la même, alors liée à énormément de choses. On peut dire que c'est lié peut-être à la qualité de l'eau ou à la surfréquentation de la rivière par des tourismes de masse et des importants, mais il n'y a pas forcément que ça. C'est délicat de trouver une seule cause. Pour moi, les causes sont multiples. Les choses que l'on peut retrouver dans cette rivière, comme certaines algues brunes, choses comme ça, ce n'est pas spécifique à la sorgue. Moi qui pêche dans beaucoup de rivières de France, on le retrouve malheureusement dans tous les endroits, même les endroits les plus reculés, comme l'Ariège ou l'Aveyron, on retrouve ces problèmes-là. Et puis, la disparition petit à petit de tout ce qu'on appelle les macro-invertébrés polluosensibles, c'est-à-dire tous ces insectes que vous pouvez voir voler par moment, tous les petits vers, tout ça. Et une rivière ne peut avoir comme poisson, que la quantité suffisante qu'il y a de nourriture pour les nourrir naturellement. Et si ces insectes-là, qui sont la base de la nourriture de la truite, disparaissent, bien forcément la truite et les autres poissons disparaîtront. Toutes les rivières qui viennent des montagnes calcaires, ce sont des rivières basiques. C'est-à-dire qu'elles entretiennent des herbiers, toutes sortes d'herbiers, hein, des berles, des potamos, tout ça. Et dans ces herbiers, il y a plein de petits animaux, en particulier des vers, qui font même pas un millimètre. Il y a des larves d'insectes, il y a des escargots, il y a des crevettes et tout ça. Et tout ça, ces herbiers, sont au départ des chaînes alimentaires pour les poissons qui viennent en fin de chaîne alimentaire. Donc la sorgue, comme la loue, toutes les rivières qui viennent des plateaux calcaires sont des rivières extrêmement riches en herbiers, extrêmement riches en vie, et donc ça permet de nourrir des quantités de poissons phénoménales. C'était le cas de la sorgue. Ça fait quelques années qu'il y a beaucoup moins de libellules, beaucoup moins d'insectes, puisque les herbiers sont piétinés. Et après, il n'y a plus l'habitat naturel de tout ça. Et du coup, la chaîne alimentaire s'en ressent. Moins d'insectes, moins de nourriture pour les poissons sauvages, moins de reproduction. Et après, il y a une rivière qui s'appauvrit petit à petit. Il y a beaucoup moins de vie dans la rivière. Tout ça mis bout à bout, peut-être aussi à cause des différents polluants chimiques. Mais déjà, rien que le piétinement du fond de la rivière est pour moi un problème important. Concernant les populations piscicoles, il y a des mesures de restriction en ce qui concerne la pêche qui ont été mises en place pour protéger certaines espèces. Des quotas, par exemple, il y a des poissons comme l'ombre commun qui ont été protégés aussi, donc on peut les pêcher, mais on est obligé de les relâcher. Tout ça, c'est des mesures qui sont faites pour essayer de préserver au maximum le cours d'eau, qui est quand même, semble avoir quand même des difficultés à maintenir une quantité de poissons et une diversité vraiment au saumon. Enfin, en période d'étiage, on a un débit maximum et puis on doit laisser passer le reste. Voilà. Donc on ne peut pas faire plus. Et avec le changement climatique, ça peut, dans les prochaines années, ça risque de devenir très compliqué en période estivale. Mais là, c'est vrai que ça fait quelques années que c'est un peu dur en été. Il n'y a pas assez d'eau. Enfin, le débit est vraiment bas. On nourrit moins les poissons, parce que quand on les nourrit, ils ont besoin d'oxygène pour digérer. Donc on nourrit moins le poisson quand il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc on a des pertes économiques, puisque le poisson ne va pas grossir aussi vite que prévu. Il y a ce qu'on appelle les IBGN, hein, les indices biotiques généraux, là, qui permettent de mesurer la capacité d'accueil de la rivière, qui disent ben, il y a tant à manger dans cette rivière, on peut mettre en face tant de poissons. Hein. Et on arrive à définir, mettons, sur 100 mètres carrés, on dit voilà, sur 100 mètres carrés, avec ce qu'il y a dans la rivière, on peut élever, je ne sais pas moi, 200 truites. Hein. Après, on fait une pêche électrique, on regarde ce que l'on sort. S'il y en a plus de 200, on dit c'est bon, la rivière, elle. Et s'il y en a moins, on dit, bon, il y a quelque chose, il faut aider la nature. Ou il faut se pencher sur la qualité de l'eau, ou alors faire quelque chose pour qu'il n'y ait plus de reproduction, ou rajouter du poisson. Il y a quelque chose à voir. Nous, sur la pisciculture, on a une souche de truite fario, qui est une souche d'élevage, qui est plus facile à élever. Et donc, on fait les repeuplements avec cette souche de poisson.
Après, on va voir l'avenir. Nous, on aimerait bien quand même mettre en place la souche autochtone, mais ça, on ne pourra pas le faire seul, sans aide de la part de la Fédération de pêche. Le cycle d'élevage de la Fario, est beaucoup plus long, donc c'est-à-dire qu'un poisson, nous, une arc-en-ciel, on va le garder, le cycle d'élevage jusqu'à sa commercialisation, ça va être à peu près 14 mois. Donc, et pour une truite Fario, ça va être plutôt de l'ordre de 17 mois. Donc c'est déjà, on va le garder plus longtemps, il faudra la nourrir plus longtemps. C'est plus fragile, on sera obligé de donner plus d'aliments pour arriver à un coût, pour arriver à un poisson de la même taille. Donc ça aura un coût supérieur et plus de main-d'œuvre, plus de nourriture. Au final, c'est un poisson qui revient plus cher et qui en plus... qui va stresser plus dans les bassins, donc il peut y avoir des maladies, enfin des pertes, donc ça revient au final beaucoup plus cher. Il y a eu aussi cette fameuse maladie des truites qui existe toujours, mais il y a 45 ans à peu près, cette maladie a couvé pendant un an ou deux. Et elle a explosé à tel point qu'on a vu des poissons, des beaux poissons, 1 kg, 2 kg, qui étaient dans les endroits morts, là, parce qu'ils ne pouvaient plus, plein de furoncles blancs aux ouïes, à la queue, tout ça. Et là, il y a eu une hécatombe de truites absolument incroyable. On avait même du mal à imaginer qu'il y ait tant de truites à ce moment-là. Et depuis, ben, évidemment, la Fario a commencé à diminuer, il y en a de moins en moins. J'étais trop jeune, donc je peux pas, je sais pas. Par contre, nous, on est quand même suivis, on a des visites vétérinaires tous les 3 mois qui contrôlent le bon état sanitaire de nos poissons. On a des procédures pour éviter justement toute contamination. Donc c'est vraiment très strict et on a vraiment des contrôles réguliers pour justement garantir le bon état sanitaire de nos poissons. Des maladies, il y en a toujours eu dans la sorgue, mais elles étaient très, très peu nombreuses, très ponctuelles. Et en plus, les truites malades, elles n'avaient pas le temps de contaminer les autres parce que les loutres, parce qu'il y avait des loutres autrefois dans la sorgue, les loutres les mangeaient. Donc les pêcheurs ont cru que c'était des concurrents, mais en fait c'était des amis en fait pour les pêcheurs parce qu'ils mangeaient les poissons. Ouais.